Bonsoir à tous et surtout soyez les bienvenus au cœur de cette édition d'information. Nous sommes le vendredi 5 janvier 2017. Ouvrons, une fois n'est pas coutume, cette édition d'information sur une note triste. L'ancien footballeur gabonais Régis Manon a rendu l'âme le 1er janvier écoulé au centre hospitalier universitaire de Libreville des suites d'une maladie. Le monde du football est peiné. C'est du moins l'annonce faite récemment par la Fédération gabonaise de football dans un communiqué. Reportage. L'année 2018 a commencé dans le chagrin pour le monde du football gabonais. L'ancien international Régis Manon est décédé à 52 ans le lundi 1er janvier à Libreville, des suites d'une longue maladie. Régis Manon, fils de l'ancien milieu de terrain du stade de Reims Paul Manon, a été l'un des attaquants gabonais des années 1980 à 1990. Joueur explosif, rablé, doté d'une puissance de frappe de balle, il a été l'un des artisans de la qualification du Gabon en quart de finale de la CAN 1996 disputée en Afrique du Sud. Il a également porté les couleurs du FC Tours en France de 1983 à 1990. À son retour au Gabon, il a évolué au FC 105 où il a terminé sa carrière à la fin des années 1990. Par ailleurs, il a entraîné des clubs locaux, en l'occurrence le FC Monana, le champion en titre du championnat national de première division édition 2016-2017. Passons à présent à toute autre chose. Depuis de nombreuses années, la période scolaire cause un réel problème de taxi à certains riverains qui ne parviennent plus à vaquer à leurs occupations sans se retrouver en retard. Il semblerait que cette situation soit tout simplement due au fait que les taximans feraient la part belle aux élèves au détriment d'autres citoyens. Jacques Moussavou pour plus d'explications. Pendant la période académique, la pénurie des taxis cause du tort à de nombreux riverains qui peinent le matin à rallier leur lieu de travail, et ce, sur le territoire national, et les Port-Gentillais n'en sont pas épargnés. En effet, à chaque rentrée scolaire, il est difficile d'avoir un taxi tôt le matin s'il y a urgence, sans faire des propositions quelquefois démesurées, et cette situation devient plus qu'alarmante pour les uns et les autres par les temps qui courent. Seulement, interrogés sur la question, les chauffeurs de ces transports en commun disent suivre le mouvement des périodes et qu'il serait gênant pour eux comme pour tous de ne pas favoriser les apprenants qui sont souvent exposés aux sanctions en cas de retard dans leurs établissements respectifs, sachant les distances qui les séparent de leur lieu d'habitation à leurs établissements. Ce qui concerne les taximans, hein, à Port-Gentillais, même à Libreville, hein, quand il s'agit de la rentrée scolaire, alors là, les taxis vraiment jouent au dur, ils font malin. Pourquoi? Parce que eux, c'est rentrée scolaire, ce sont les élèves qui sont là, bien parce que là, ils n'ont plus de bonus, ils n'ont plus d'argent. Voilà. Les taximans ne jouent au dur, mais ce n'est pas normal. Mais que ce soit élèves, que ce soit nous, les adultes, nous sommes pareils. Mais la manière de faire n'est pas bonne. Et quand il s'agit de la saison sèche, où la rentrée scolaire est terminée, c'est là où vous voyez les taximans même s'arrêter pour supplier parce qu'ils ont besoin de clients. Ouais, la mauvaise mentalité des taximans. On manque de clients parce que l'année scolaire, il y a beaucoup d'élèves qui se font beaucoup de recettes, ils augmentent même les prix. Et pendant les vacances, ils n'en ont plus, ça baisse un peu, donc ils sont obligés de courir aux aguets pour chercher les clients de gauche à droite. Je vous avoue que c'est un manque de respect pour les taximans qui ne considèrent pas d'abord les citoyens, les clients qui sont à leur disposition, parce que c'est nous qui donnons l'argent aux enfants qui transportent pour aller à l'école, que c'est nous qui travaillons, ce n'est pas les enfants qui travaillent. Hein? Les enfants ne travaillent pas, c'est les pères de famille, les mères de famille qui remettent l'argent aux enfants. Donc je préfère d'abord considérer ces gens-là et avant de considérer les élèves. Les élèves, d'abord, eux, c'est 7h30. Ils sont prêts pour l'appareil, 7h30. C'est un temps tout. Et puis les parents, on a pour que tu les prends à partir de 6h, 7h, mais tout à 7h30, 7h8, 7h30, 8h, 8h30, c'est les élèves primaires. En fait, c'est comme une chronologie pour nous. Le matin, on prend les plus grands qui vont un peu plus tôt. Après, il y a des élèves. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut négliger les parents. Et il y a aussi un problème d'éducation dedans. Parce que tout client est un client.
fait. Ce n'est qu'une vision qu'ils ont. C'est vrai qu'il y a une différence entre les vacances et la rentrée scolaire, parce que la rentrée scolaire, il y a plus d'élèves, il y a beaucoup plus de monde. Les vacances sont courtes, derrière les clients qui... Les vacances, il n'y a pas d'élèves en fait. Les vacances, il n'y a pas d'élèves. Donc les gens courent derrière ceux qui vont au port et tout ça là. Donc on les klaxonne même parce qu'il y a moins de monde, Maintenant quand la rentrée scolaire arrive, donc il n'y a plus ce mouvement là. Il n'y a plus le fait qu'on klaxonne, les gens courent et que même ils se proposent. Voilà, c'est seulement ça. C'est pas tant la chose qu'ils disent, c'est pas trop. Que les uns et les autres relativisent afin de trouver un moyen de satisfaction commune. Allons à présent chercher l'actualité du côté de Libreville, la capitale politique et administrative du Gabon. L'organisation non gouvernementale Malachi a organisé un salon consacré à l'autonomisation économique de la femme. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Les précisions dans ce reportage de nos confrères de la radio-télévision Nazareth. Dans le cadre des manifestations marquant la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes et jeunes filles et de la campagne 16 jours d'activisme, plusieurs ONG et mouvements associatifs à travers le monde s'activent de chaque année pour mener différentes activités, comme ce fut le cas de l'ONG Malachi qui a organisé un salon de l'autonomisation économique de la femme le vendredi 8 décembre dernier à la mairie du 5e arrondissement de la commune de Libreville. À l'occasion de la campagne des 16 jours d'activisme, débuté par la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, le samedi 25 novembre 2017, nous organisons diverses actions concernant la condition des femmes dans notre société, telles que la sensibilisation des femmes face à ce fléau, ainsi qu'un soutien psychosocial aux femmes en milieu carcéral. L'expérience montre que là où les femmes sont entreprenantes, les sociétés sont florissantes. Dans le cadre du Gabon, il n'est plus à démontrer que la femme gabonaise doit jouer son rôle dans l'implication des programmes de développement et d'accélération de la croissance économique du pays. En partenariat avec plusieurs mouvements associatifs de la place, l'événement a compté la présence de Stephen Jackson, représentant du PNUD Gabon, qui n'a pas manqué de féliciter les femmes. Ensemble, tout d'abord, la grande nécessité, la nécessité continue de lutter tous ensemble contre les actes de violence qui sont regrettablement toujours faits à la femme partout dans le monde, et en même temps de souligner l'opportunité qui existe, la grande opportunité existe pour promouvoir l'autonomisation de la femme. Et je vois derrière moi des produits déjà de cet effort, et je vois devant moi les activistes, la présence physique de la force des femmes gabonaises, et je vous félicite. Ouvert au public, après une séance de partage d'expériences par des témoignages, la visite des stands s'est faite suivre de quelques achats et de dégustations avant la clôture par une photo de famille. Parlons à présent d'un contrat de partenariat. Sachez que le ministère de l'économie numérique et la Banque mondiale ont procédé à la signature du contrat des travaux d'extension de la phase 1 du BAC One, c'est-à-dire National Fibre Optique. Cette signature vise un accès plus facile à Internet haut débit aux populations gabonaises. Le point dans cet élément. C'est pour faciliter l'accès à Internet haut débit aux populations en général et pour accélérer les échanges virtuels entre le Gabon et les républiques sœurs de Guinée équatoriale et du Cameroun que le ministère de l'économie numérique, la Banque mondiale et KT Corporate ont procédé à la signature d'un contrat ce jour. Occasion pour Lee Bak-hee, vice-président de KT Corporate, de revenir sur l'importance du chantier en sa première phase. L'importance de ce projet, Dorsal National 4-4, qui est initié par le plan quinquennal du Gabon numérique et qui va améliorer considérablement l'accès aux services de haut débit à l'échelle nationale. Le ministre d'État à la communication, à l'économie numérique, à la culture, aux arts et traditions a donné l'objectif à terme de ce projet. Le projet que nous lançons ce jour participe de l'intégration régionale. Il s'agit en effet, dans le programme 4-4, de procéder à la liaison des capitales régionales
par fibre optique et de faire en sorte que toutes les capitales provinciales soient également interconnectées. Le gouvernement consent actuellement d'importants efforts pour doter notre pays d'infrastructures numériques qui permettront d'interconnecter toutes les structures publiques et privées et ainsi réaliser un nombre important de projets, parmi lesquels, dans le secteur public, le e-Gabon avec sa composante e-santé et le projet d'incubateur de start-up qui devrait démarrer d'ici à la fin du premier trimestre 2018. Le e-gouvernement, avec la numérisation des procédures administratives par les textes que nous avons défendus récemment au Parlement, nous ferons en sorte que le mail ait désormais une valeur juridique et que le mail devienne un outil de travail reconnu par l'administration. Les enregistrements et inscriptions en ligne, la collecte des taxes, le e-visa, le paiement des prestations sociales par le money banking et le e-money, le e-éducation avec la formation en ligne, grâce notamment au partenariat avec l'UNESCO et avec des opérateurs privés, des bibliothèques virtuelles et des données accessibles à tous. Le montant des travaux n'a pas été dévoilé. Il n'en demeure pas moins que ce projet facilitera les échanges virtuels entre Gabonais dans l'ensemble du territoire et au-delà. Comme il est de coutume, ouvrons à présent notre traditionnelle page d'information consacrée au chapitre de l'actualité sur le continent africain. Comme il est de coutume, le président Paul Biya a reçu les vœux du corps diplomatique et des corps constitués, une cérémonie placée sous le signe de la lutte contre le terrorisme, l'appel à l'engagement de la communauté internationale face à la situation des migrants et des réfugiés reste le principal vœu du chef de l'État camerounais. Reportage. Face aux multiples assauts de déstabilisation qu'a connu le Cameroun durant l'année 2017, les vœux de nouvel an au chef de l'État Paul Biya ce 4 janvier 2018 étaient l'occasion pour les représentants du corps diplomatique de féliciter le président Paul Biya pour sa quête inavouée de la paix grâce à ses nombreux appels au patriotisme. Nous ne pouvons que vous féliciter de vos appels incessants au patriotisme, à l'unité nationale et à l'esprit de sacrifice, pour que la paix et la sécurité continuent à régner sur votre beau pays. Nous ne doutons pas que malgré les tentatives de déstabilisation et les quelques foyers de tension qui existent ici et là, grâce à votre sagesse et à votre invitation au dialogue et à la consolidation des acquis, le Cameroun demeurera un pays où il fait bon vivre. Tout en réaffirmant son engagement aux idéaux des différentes organisations internationales dont le Cameroun est membre, le président Paul Biya n'a pas manqué d'interpeller la communauté internationale sur les récents événements liés notamment au commerce des esclaves en Libye. Des révélations qui pour lui sont considérées comme le plus gros scandale du 21e siècle. Je voulais dire ma compassion à l'égard des migrants enfermés dans des camps rançonnés pour embarquer dans des barques de fortune, voire vendus comme esclaves, n'ont-ils pas le droit d'être traités comme des êtres humains? L'Union africaine et l'Union européenne ont indiqué la voie à suivre lors de leur récente réunion à Abidjan. Quand la communauté internationale se mobilisera-t-elle vraiment pour mettre fin à ce qui restera sans doute comme un des plus grands scandales du 21e siècle. Le président de la République a marqué un point d'honneur sur l'état des relations entre les nations dans le monde qui s'effritent au fil du temps. Et pour 2018, le président Paul Biya recommande l'esprit de conciliation et la restauration de la confiance entre les communautés et les nations. Et puis, sachez-le déjà, les autorités de la Guinée équatoriale ont annoncé avoir mis en déroute des mercenaires qui avaient tout simplement pour but de réaliser un coup d'État. Une situation extrême, des tensions règnent entre le pouvoir et l'opposition. Cette dernière accuse Teodoro Obiang-Nguema et son gouvernement de museler la pratique démocratique dans le pays. Le récit avec nos confrères d'Africa 24. Tout a basculé en début décembre 2017. Au terme des élections législatives du 12 novembre 2017, le parti au pouvoir rafle 99 des 100 sièges disponibles.
L'opposition fustige une nouvelle fois un déni de démocratie et entreprend, à travers des actions minimalistes et sur les réseaux sociaux, une campagne contre le gouvernement. L'opposition qui dénonce, à partir du 15 décembre, l'arrestation massive de ses militants, dont certains à Bata, sont réfugiés dans le siège du parti CI de M. Nzeo Biang. Le 24 décembre 2017, le gouvernement annonce la découverte d'une tentative de coup d'État et indexe l'opposition, dont le démenti est catégorique. Le coup d'État est monté par Obiang Nguema Mbazawa. Un coup d'État avec des vieilles armes qu'on ne sait pas où il les a trouvées, qui montent à la population qu'il y a un coup d'État. Il n'y a pas un coup d'État pour montrer à la population que en Guinée équatoriale, c'est les armes qui commandent. Même si des doutes pouvaient persister encore sur la réalité de cette tentative de coup d'État, le ministre de la Sécurité, Nicolas Obamanchama, a annoncé à la grande stupeur des combats entre des mercenaires et la sécurité nationale ce mercredi 3 janvier 2018. Des combats se déroulant sur la partie continentale autour de la forêt d'Ebébéine, ville frontalière avec le Cameroun et le Gabon. L'identité des possibles mercenaires est inconnue, même si on indexe des Tchadiens et des Centrafricains. Ce climat de tension conforte les révélations du président équato-guinéen lors de la cérémonie des vœux du 31 décembre 2017. Des individus sont en train d'organiser une guerre contre la Guinée équatoriale. Ils disent que j'ai passé trop d'années au pouvoir. Je veux une transition heureuse, je ne veux pas la guerre. Je ne suis pas au pouvoir parce que je veux y être. Quand vous voulez, vous pouvez me dire « Président, tu as déjà travaillé beaucoup ». Et je m'en irai. Des propos que fustige l'opposition qui estime que cet énième coup d'État avorté vise d'abord à l'anéantir. À chaque fois qu'Obiang sait qu'il a organisé des élections fraudulentes, il doit organiser un faux coup d'État. C'est pour détruire l'opposition. Moi-même, que je vous parle, j'étais condamné à mort par Obiang Nguema Mbazawa en 2000. Pour un faux coup d'État. Des patrouilles militaires et de sécurité ont été renforcées sur tout le territoire. Les frontières avec le Cameroun et le Gabon sont fermées. L'ambassadeur de Guinée équatoriale au Tchad, Henrique Nzoué Aguesom, pourtant réputé fidèle, intègre et loyal, a été mis à la grande stupeur aux arrêts. Un an après la réélection triomphale du président Obiang Nguema, la Guinée équatoriale, qui affronte une grave crise économique, doit désormais gérer des tensions politiques. Sport Pesa, si vous ne le connaissez pas, eh bien sachez que la firme kenyane des paris sportifs arrête ses contrats de parrainage. Sont concernés le rugby, le football et la boxe. Une décision qui affecte ses principales disciplines sportives, mais aussi la population. Les paris sportifs étant très populaires au Kenya, le pays est classé 3e rang au rang des marchés des jeux en Afrique. Le point dans ce reportage. La firme kenyane de paris sportifs en ligne SportPesa a annulé 600 millions de shillings, soit 5 millions de dollars de sponsoring annuel pour la principale ligue de football du pays et d'autres sports. Une décision prise après que le gouvernement ait quadruplé le taux d'imposition sur les bénéfices bruts pour les sociétés de paris sportifs et les loteries. Si vous regardez le genre de parrainage que nous avons mis en place, vous verrez que nous nous sommes vraiment engagés dans le sport au Kenya. Parce qu'en dépit de ces 600 millions de shillings de sponsoring direct, si vous incluez les camps d'entraînement et tous les programmes de renforcement des capacités que nous avons mis en place, cela représente plus d'un milliard de shillings. Cette année, nous avions prévu qu'Everton viennent au Kenya pour jouer, ce qui est également un coût. Donc, si nous avons la taxe en place, nous devons reconsidérer la réduction drastique de nos coûts. En effet, le manque à gagner pour les entreprises de ce secteur, dont l'une des plus grandes, SportPesa, explique pourquoi elle a fait le choix d'arrêter ce sponsoring. Une décision qui malheureusement affecte déjà diverses entités sportives. Le Kenya Rugby Union a déclaré qu'il perdrait 120 millions de shillings par an, somme utilisée pour préparer les équipes pour la série internationale de rugby à 7. Le président de Gor Mahia, champion de la Ligue de football nationale, a déclaré que le club pourrait être contraint de se retirer de la Coupe des champions de la Confédération de cette année 2018 en raison du manque de fonds. L'équipe recevait 60 millions de shillings par an de SportPesa. Je ne comprends pas pourquoi SportPesa réagit au fait de payer des impôts élevés en retirant son soutien au sport.
Ils doivent consulter le gouvernement. Si la taxe est trop élevée, ils devraient négocier et trouver un arrangement. Beaucoup de Kenyans, y compris moi-même, profitent des paris. Certains perdent beaucoup, mais la majorité en profite. Les paris sportifs sont très populaires au Kenya. Le pays est classé au troisième rang des marchés de jeux d'Afrique après l'Afrique du Sud et le Nigeria. Les paris ont notamment été facilités grâce au téléphone mobile et l'argent mobile. Un phénomène qui impacte les jeunes de manière négative selon le gouvernement, d'où cette décision d'augmenter les impôts. Malheureusement, cette volonté de traiter un mal en a créé un autre. Voilà, c'était donc l'essentiel de l'actualité de ce jour. Merci pour votre fidélité. Toute l'équipe de rédaction se joint à moi, non seulement pour vous souhaiter un agréable week-end, mais également une très bonne soirée sur Top Benji, la télévision intemporelle. Au revoir.